Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les potes, nous sommes le jeudi qui veut dire promotion et bonus du 1er au 6 décembre 2022 dans GTA 5 sur PS4. Donc si cette vidéo va vous plaire, n'hésite pas à liker, de t'abonner et bien sûr d'activer la cloche. Et sur ce les frérots, je vous souhaite une bonne vidéo. Dans le casino, nous avons la Wilson Drop. Donc c'est une voiture haut de gamme. C'est un décapotable. Dans la Legendary, le véhicule vaut 900 000 dollars et je vous souhaite bonne chance pour gagner cette voiture. Dans le salon auto LS, nous avons la Vapide GB200. Donc c'est une voiture qu'on va dire, c'est une voiture de rallye. Donc pour débloquer ce véhicule, le défi est très simple. Vous devez faire une épreuve de poursuite et c'est de terminer dans le top 3 pendant 5 jours d'affilée. Et moi je vous souhaite bonne chance pour gagner cette voiture. Dans la boîte de nuit, nous avons la rapidité qui est x2. En gros, c'est tout ce qui est les recherches de caisse qui est x2. Donc profitez-en les potes. Et aussi, n'oubliez pas de vendre tous les biens de temps en temps de la boîte de nuit. Car normalement, le 12 décembre, nous aurons un nouveau DLC dans GTA 5 sur PS4. Ensuite, les potes, nous avons tous les business de club de motards. En gros, tout ce qui est cocaïne, cannabis, faux papiers, fausse monnaie, la méthamphétamine, etc. qui est x2. Donc, profitez-en les potes. Et aussi, nous avons le business de cannabis qui est à moins de 50%. Donc, profitez-en car, comme je vous dis, vous avez tous les business de club de motards qui est x2. Donc, profitez-en les potes. Dans la Legendary Motorsport, nous avons la Overflood Zeno qui est en promotion à 1 974 000 dollars. Donc c'est un véhicule qui est vraiment classe, qui est vraiment rapide, qui est vraiment très beau. Donc profitez-en des potes. Ensuite, nous avons la Dinka Jester Classic. Donc c'est une voiture qu'on va dire Fast and Furious. Donc c'est une voiture qui est vraiment pas mal. Il manque un peu de vitesse, mais franchement il est très beau. Donc il est en promotion à 553 000 dollars. Ensuite, dans les 5 portes, nous avons la Enus Jubilee. Donc, c'est un véhicule qui est vraiment pas mal aussi. On peut le blinder dans l'agence. Donc, il est en promotion à 866 250 dollars. Et dans les motos, nous avons la River qui est en promotion à 1 330 000 dollars. Donc, c'est une moto qui est vraiment très rapide. Ensuite, nous avons la Shinobi qui est une moto assez très sympa. Il fait des roues parfaitement, il saute très bien. Donc, il est en promotion à 1 736 350 dollars. Dans Suzen San Andreas Super Auto, nous avons la Bravado Gauntlet Classic. Donc, c'est un véhicule gros cylindré. Donc, franchement, c'est un véhicule qui est assez pas mal. Il a un très bon bruit du moteur. Donc, il est en promotion à 430 500 dollars. Ensuite, nous avons la D-Class Yosemite. Donc, c'est un véhicule qui dérape beaucoup. Donc, il est en promotion à 339 500 dollars. Ensuite, dans tout terrain, nous avons la Mammoth Patriot. Donc, c'est un véhicule, on va dire, un véhicule armé. Donc, c'est un véhicule qui est vraiment pas mal. Donc, il est en promotion à 897 750 dollars. Donc, chez Beniz, nous avons 3 véhicules qui sont en promotion. Donc, comme je vous dis, c'est les véhicules que je vous ai déjà présentés dans Suzanne San Andreas. Par exemple, le Bravado Gauntlet avec la D-Class Yosemite. Et là, maintenant, c'est la Bravado Yuga qui est en promotion à 136 500 dollars. Dans Activité, Jouer Activité, créé par Rockstar. Dans Course, nous avons tous les courses-poursuites qui est x3. Donc profitez-en les potes. Donc c'est une course où il y a la police qui est derrière nous. Donc c'est en mode Fast and Furious. Donc moi je suis très fan. Donc comme je vous dis, il est 3 fois RP et 3 fois dollars. Donc profitez-en les potes. Dans l'émission, nous avons l'émission de la mort qui est x3. Donc profitez-en les potes. Donc c'est une activité qui est assez pas mal aussi. Donc franchement profitez-en, faites-vous beaucoup d'argent et beaucoup d'RP pour pouvoir monter votre niveau. Donc vous avez plusieurs missions qui est de la mort qui est x3.
Donc, franchement, profitez-en les potes. Et en mode rivalité, nous avons tous les coups doubles de 1 à 7 qui est x3. Donc, profitez-en les potes. Donc, c'est une activité qui est assez pas mal aussi. Mais le défaut, c'est qu'une partie aurait que le fusil à pompe et une autre partie aurait la mitraillette, le fusil à pompe, etc. Donc, c'est ça le défaut de cette activité. Mais franchement, profitez-en les potes car, comme je vous dis, c'est x3. Donc sur la carte nous avons une nouvelle course contre la montre qui a été déplacée. Donc c'est Maze Bank Arena. Donc le temps a battu de 1 minute 17 secondes et 80 centièmes et vous aurez un bonus de 100 000 $. Ensuite nous avons une nouvelle course contre la montre de RC Bandito qui a été déplacée. Le temps a battu de 1 minute et 30 secondes et vous aurez un bonus de 100 000 $. Donc cette semaine c'est tous les business de club de moutard qui veut dire la cocaïne, le cannabis, méthamphétamine, faux papier, faux monnaie, etc. qui est x2, donc profitez-en les potes. Ensuite nous avons on va dire la vitesse de recherche pour la boîte de nuit qui est x2. Donc c'est tout ce qui est caisse, par exemple les recherches de caisse qui est aussi x2. Donc franchement profitez-en les potes. Et n'oubliez pas que c'est pas la guerre commerciale qui est x2. J'ai bien dit que c'est la vitesse de recherche de la boîte de nuit qui est x2. Donc voilà les potes. Donc sous ce frérot, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, de t'abonner et d'activer la cloche. Et sous ce frérot, moi je vous dis à tout à l'heure et ciao ciao.